Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Caillou et la malle au trésor. Regardez, je suis un pirate. Ah! Et qu'est-ce que tu fais, Caillou le pirate? Je cherche un trésor. Caillou le pirate ne savait pas encore que ce jour-là, il allait trouver un vrai trésor dans un endroit tout à fait inattendu. J'ai vraiment hâte que Caillou soit un peu plus grand. Je vais lui apprendre à jouer au football. Oui, comme je l'ai fait avec toi, mon grand. Caillou le pirate, il est temps de rentrer à la maison. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je n'ai pas encore trouvé le trésor. Ne t'en fais pas. Où qu'il soit, il sera encore là la prochaine fois. On est rentré, maman. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je range le grenier. Je peux t'aider? Bien sûr, tiens, mets le livre dans cette boîte. D'accord. Ah. Désolée, maman ne peut pas vous répondre, elle est occupée. C'est un vieux téléphone, j'avais demandé à ton père de le jeter. C'est vraiment un garde-tout. C'est quoi un garde-tout? Un garde-tout, c'est une personne qui ne veut jamais rien jeter. Est-ce que je suis un garde-tout, maman? Tu as des jouets dans ta chambre avec lesquels tu ne joues plus depuis très longtemps. C'est pas vrai, je joue avec tous mes jouets. Caillou, j'aimerais vraiment finir de trier ces livres. Quand Caillou vit la vieille malle, il voulut savoir tout de suite ce qu'il y avait dedans. Caillou ne le savait pas encore, mais il venait de découvrir le trésor qu'il cherchait. Une malle remplie de choses que papa avait gardées. Ouf! Qu'est-ce que c'est que ça, Caillou? Allez, souris, maman, je vais prendre ta photo. Waouh! Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? J'ai trouvé tout un tas de choses. Laisse-moi voir ça. Oh, je portais ça quand papa m'a emmenée danser pour la première fois. Je ne savais pas qu'il l'avait gardé. Hé, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Papa, regarde! Oh, mon vieil harmonica! Tu es un vrai garde-tout. Maman dit que moi aussi je suis un garde-tout. Montre-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à le croire. C'est mon ancien ballon de football. Ah, j'ai juste besoin de le nettoyer et de le gonfler. Veux-tu que je te montre comment jouer? Ouais! C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait sur le football. Tu es prêt, Caillou? Attention, je lance! Vive le camping! Cette fin de semaine-là, il faisait un temps magnifique et Caillou était tout content car il s'en allait camper. Maman, maman, c'est pressé, arrête-toi! Je tiens plus! Tu es sûre que tu ne peux pas attendre? Qu'est-ce qui se passe, Mousseline? Maman, pas là! Tu as raison. Et Caillou non plus. Ah, tu es là.
Mais où est Caillou? Il a eu envie d'aller au petit coin. Caillou! J'arrive, j'ai fini. Viens vite, il est temps de repartir. Oui, et en avant vers de nouvelles aventures. Mais peut-être pas tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je pense que moi aussi, je ferais bien d'aller au petit coin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un panneau qui indique qu'il y a des orignaux. Il y en a beaucoup dans la forêt et les conducteurs doivent faire très attention. Tu penses qu'on va rencontrer un orignal? Je voudrais en voir un. Mousseline aussi. Je n'ai pas l'impression qu'on va en voir un, Caillou. Pourquoi? Parce que les orignaux sont très timides. Caillou trouvait étrange qu'un animal aussi gros puisse être timide. Bonjour tout le monde. Bienvenue au camp du lac. Mon nom est Pierre. Quel est le tien? Caillou. Je suis certain que tu vas très bien t'amuser ici, Caillou. Tu peux jouer à la balle, ou encore te baigner, ou escalader la montagne. Que veux-tu faire en premier? Je voudrais voir un orignal. J'ai bien peur que ce soit très difficile. Les orignaux ne s'approchent pas beaucoup des gens. D'ailleurs, je ne me souviens pas d'en avoir vu au camp. Que dirais-tu d'aller leur donner un coup de main? Ouf. Bon travail, Caillou. Tu viens de baigner, Caillou? Hé, attends-moi, maman. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Allez, viens, l'eau est délicieuse. Mais je vois plein de petites choses qui bougent au fond de l'eau. Ce sont des petits poissons, Caillou. Ils ont sans doute plus peur de toi que tu n'as peur d'eux. Caillou n'était plus très sûr de vouloir se baigner. L'eau est trop profonde. Mais non, tiens, regarde. Elle est trop froide. Est-ce que tu aimerais jouer à m'éclabousser? Une fois entré dans l'eau, Caillou n'eut plus peur du tout. Et bientôt, ce fut l'heure d'aller manger. Je sens une odeur alléchante. Je pourrais manger un bœuf. Moi, je pourrais manger un orignal. Orignal, orignal. Regardez. Oh non, c'est un petit suisse. Oust, oust. Il vaut mieux ne pas nourrir les animaux sauvages, Caillou. Pourquoi? Parce qu'ils doivent trouver leur nourriture tout seuls dans la forêt. Qu'est-ce que vous allez faire tous les deux cet après-midi? Je propose qu'on escalade la montagne. C'est ça, Caillou. Continue. Tu te débrouilles très bien. Oh. Est-ce que ça va, mon grand? Caillou avait eu peur quand il avait glissé, mais il voulait montrer à son père à quel point il était courageux. On est presque en haut. Regarde. On a réussi. Je suis vraiment fier de toi. Ce doit être très fatigant d'escalader une montagne. Allez, les garçons, il est l'heure de se coucher. Tout est fin prêt dans la caravane. Moi, je veux rester ici dans le hamac. On pourrait peut-être dormir dehors tous les deux. Mais oui, si ça vous fait plaisir. Caillou était très content de dormir dehors dans les bras de son papa. Bonne nuit, les garçons. Bonne nuit, les filles. Thank you.
Caillou était très impressionné par l'orignal. Il n'avait jamais vu d'animal aussi grand. Maman, maman, vite, viens voir. Papa, papa, regarde. Oh, waouh. Chut, il ne faut pas faire plus de bruit qu'une petite souris. Souvenez-vous, les orignaux s'effarouchent facilement. Il est beau, l'orignal. Bougnale, bougnale. Parti. Caillou trouvait très drôle qu'un si gros animal puisse avoir peur d'une toute petite fille comme Mousseline. Les baguettes chinoises. Cet après-midi-là, Caillou et Sarah jouaient dans le jardin de Sarah. Sarah, il est bientôt l'heure de manger. 28, 29 et 30. Ouais, j'ai réussi. Laisse-moi essayer maintenant. T'es trop petit pour sauter à la corde. Montre-moi comment on fait, Sarah. On va bientôt manger, Sarah. Veux-tu venir mettre la table, s'il te plaît? Je dois y aller, je t'apprendrai une autre fois. Salut, Caillou. Et si tu restais manger avec nos cailloux? Je vais appeler ta maman et le lui demander. Ta maman a dit oui, elle est d'accord, Caillou. Veux-tu aider Sarah à mettre la table? Tu en mets deux à côté de chaque bol. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des baguettes. Ça sert à manger. Regarde comment on fait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles chinoises aux légumes. Tu sais, j'adore les nouilles, mais je n'aime pas tellement les légumes. Et ça, c'est quoi? C'est un rouleau impérial, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas un légume. Tout un lancé, Caillou. Au début, ce n'est pas facile d'utiliser des baguettes. Caillou comprit qu'il fallait beaucoup d'entraînement pour pouvoir manger avec des baguettes. Charlie, le chat de Sarah, était très content que Caillou soit resté manger. Je mange mon rouleau impérial avec les doigts. Si tu veux, tu peux utiliser ta fourchette, Caillou. D'accord. Sarah, mange ton bok choy, c'est bon pour la santé. Tiens, regarde, Sarah. Caillou a fini de manger le sien. Mais le bok choy, c'est un légume, Caillou. Tu m'as dit que tu n'aimais pas les légumes. C'est pas pareil, ça, ce sont des légumes chinois. Est-ce que c'est un dragon? Oui, un masque de dragon chinois. Est-ce que tu aimerais l'essayer? Oh, j'ai peur, tu es un dragon très effrayant, Caillou. Le vert, c'est mon préféré. C'est drôle, le vert, c'est mon préféré, moi aussi. Caillou, qu'est-ce que tu fais? Je veux manger avec mes baguettes. Oh, tu ne peux pas manger ça avec des baguettes. Attention, ça va glisser. Waouh! Oups! Montre-moi comment tu fais, Caillou. Pour une fois, Caillou fut capable de montrer quelque chose à Sarah. Un chien très spécial. Caillou et sa maman s'en allaient jouer au ballon dans le parc. C'est quoi ça? Mais tu as déjà entendu ce bruit, souviens-toi. Je le sais.
Ouais, c'est pour nous dire quand c'est à nous de traverser. Excusez-moi, je cherche un endroit pour faire courir mon chien. Je sais où il y en a un. C'est vrai, ça? Et où est-il? Au parc, c'est juste un peu plus loin, vous ne pouvez pas le rater. Merci beaucoup. Chaque fois que Caillou allait au parc, il aimait en regarder le plan avant de décider où aller. Aujourd'hui, je vais aller de ce côté. C'est d'accord. Ça va, ne t'inquiète pas, ils ne te mordront pas. Ils sont à vous, ces deux chiens? Non, je les promène, c'est tout, c'est mon travail. Caillou se dit que promener des chiens devait être un travail très agréable. Je les emmène à l'enclos pour les chiens. L'enclos est juste là. Et moi, je vais là-bas. Alors, peut-être à tout à l'heure? Attends, attends, hey, viens ici, 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 attends. Attends, voyons. Tenez-vous tranquille, tous les deux. Voyons. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, merci quand même. Les chiens avaient plutôt l'air de s'amuser. Attention! Pas mal, hein? Il s'appelle D'Artagnan. Il s'est donné la patte. Tu veux essayer? Salut, D'Artagnan. Je m'appelle Caillou. Est-ce que tu aimerais lui lancer? Il sait très bien attraper les balles aussi. Ouais, il l'a eu! Tiens, voilà. Plutôt dégoulinante, hein? Allez, salut Caillou! Tiens, il vaudrait mieux la nettoyer avec ça, chérie. D'accord. Un peu plus loin, la maman de Caillou rencontra une de ses amies qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Et toi, tu dois être Caillou. Il est beau, votre chien. Il s'appelle Benjamin. Bonjour, Benjamin. Est-ce qu'on peut jouer ensemble? Tu peux le caresser. Est-ce que je pourrais lui lancer ma balle? Je suis désolée, Caillou, mais je ne peux vraiment pas le laisser jouer avec toi. Oh. Benjamin est un chien très spécial parce qu'il a un travail à faire. Tu dois travailler? Oui, il doit m'aider. Pourquoi il doit vous aider? Eh bien, Caillou, je suis aveugle et Benjamin est le chien qui me guide. Aveugle? Mon amie Barbara ne peut pas voir. Et le travail de Benjamin, c'est de voir à ma place. Caillou était étonné d'apprendre que les chiens devaient travailler comme les grandes personnes. Veux-tu que je te montre comment ils m'aident? Barbara est aveugle, souviens-toi. Elle ne peut pas voir quand tu fais oui de la tête. Alors, si tu veux que je te montre comment Benjamin travaille, il va falloir que tu me le dises. D'accord, s'il vous plaît. Je voudrais le voir travailler. Ça, c'est son harnais. Je le tiens et Benjamin me guide partout. Caillou aimait beaucoup voir comment Benjamin indiquait à Barbara où aller. Qu'est-ce que Benjamin vient de faire, Caillou? Il s'est assis. Quand il s'assoit comme ça, il me dit qu'il vaut mieux que je m'arrête de marcher. Waouh!
Arrêtez tous les deux, revenez. Ici tout de suite. Arrêtez. Caillou découvrit que Benjamin était un chien intelligent, et même très intelligent. Caillou savait que ce bruit signifiait que l'on pouvait traverser la rue. Ça y est, on peut traverser. Mais Benjamin avait remarqué que ce n'était pas encore tout à fait le moment de traverser. Oh! Très bien, Benjamin. Au revoir, Benjamin. Tu es un super chien. Thank you.